bientôt, bonjour pour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une petite vidéo pour les élèves de troisième année primaire, à savoir le pluriel. Le pluriel. Alors, nous avons une petite phrase à travers laquelle on va essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire le pluriel dans la langue française. D'accord? Alors, les amis offrent des jouets pour l'anniversaire de Camélia. Les amis, etc., offrent, ils donnent des jouets à l'aide pour l'anniversaire de qui? De Camélia. Alors regardez bien ici, nous avons l'article les et nous avons s. La même chose pour le deuxième nom. Cette fois-ci, nous avons des et nous avons s. Alors comment est-ce que nous avons obtenu ces noms-là? Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons transformé ces deux noms au pluriel de cette façon-là. Alors nous avons les articles définis, par exemple le, la, voilà, ils font leur pluriel avec les, voilà, tout simplement. Nous avons aussi les articles indéfinis, un et une, voilà, ils font leur pluriel avec des, voilà, avec des. Tout simplement. Alors, par exemple, un ami, des amis, voilà. L'ami, les amis. Est-ce que vous avez compris? En plus, qu'est-ce qu'on va ajouter? Au nom, on va ajouter la lettre S. Généralement, pour faire le pluriel des noms, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la lettre S. C'est la marque du pluriel dans la langue française. Voilà. Alors, je pourrais vous donner des autres exemples. Par exemple, un stylo. Un stylo. Voilà, un stylo. Alors, des. Voilà, un devient des. Voilà, tout simplement, des stylos. Des stylos. Voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la lettre S, des stylos. Par exemple, la brosse, la brosse, la brosse, alors la devient les, voilà, brosse, brosse, voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter toujours la lettre S, la lettre S. Mais attention, hein, il y a une remarque là-dessus. En ce qui concerne les déterminants ou bien les articles définis voilà, qui se trouvent avec des noms qui commencent avec une voyelle, par exemple ami, alors l'ami, L apostrophe, ami, voilà, alors L apostrophe devient, voilà, devient les, l'article. Voilà, définis les. Voilà, un apostrophe, les. Par exemple, l'ami, les amis. Les amis, tout simplement. Les amis. Voilà. J'espère que vous avez arrivé à comprendre quelque chose. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup.